She said she want me back. I never made a promise of a faithful tire. Till the day she got me called, I thought she was a. Hello la famille, bienvenue sur vos copages Buzz Promaz, vos copages qui fait dans l'actualité des stars, le Japap et le Gbele en temps et en heure réelle. Ici nous décortiquons la vie des stars, nous donnons nos points de vue et personne n'a le droit de mettre les organes. Parce que sur cette page je ne mets pas les organes, si tu mets les organes c'est ton problème. On est juste là pour donner la bonne humeur. Aujourd'hui donc, nous déposons nos valises sur un fait divers qui chauffe depuis peu au Cameroun. Les Mogoutep sont un peu de partout. C'était d'abord celui du sous-préfet. Aujourd'hui, c'est celui de l'inspecteur de police. Des scammers. Les fonds s'aggravent seulement. La famille, l'affaire, sinon, il faut être prudent sur les réseaux sociaux. Tu vas rester comme ça là. Tu vois une belle personne qui va t'écrire. Une belle femme ou bien un homme qui est tout beau et t'écrit. Se te met à tout compter. Fleurette et tout et tout. Subitement, vous passez un appel vidéo, vous faites les Mogoutep et tout. Et puis, quelques temps après, tu te retrouves qu'il a enregistré le chantage de ça. La personne peut même causer même avec toi, même pendant 2 semaines, 1 mois, 3 mois. Pas de problème, hein. Même en appel vidéo, vous causez là, ils sont tranquilles, ils te mettent dans espoir et tout. Même ma tante a été victime de cela. Elle a causé avec un Watt, un blanc. Pendant plus de 3 mois, il disait que le blanc disait qu'il va venir au Cameroun l'épouser, tout ça là. Elle est tombée. Elle se disait, bon, c'est déjà ma personne, c'est déjà mon homme. Il y avait même déjà les programmes de dot et tout. Elle se retrouvait en train de montrer les ouais. Puis, la personne en question enregistrait la vidéo. Chantage sur chantage, chantage sur chantage. Je vais te publier sur Facebook. Tous tes contacts seront au courant de ce que tu fais. Elle a commencé à paniquer. Toute la famille l'a conseillé que s'il veut publier, non, laisse-le publier. Parce que si tu commences à envoyer l'argent, il va toujours continuer à demander. Et les arnaqueurs en question ont fini par publier sur les réseaux. Et bon, ça a été vraiment le scandale dans la famille, la honte avec ses enfants et tout. Mais on va faire comment? Vous voyez, cette fois-ci, ils ont touché 2 personnalités publiques. Un sous-préfet comme ça, là, une personne publique. Se retrouve sali dans son lieu de service et tout. Ça, c'est vraiment la honte. Ça va rester gravé à vie. Les pères de famille, les pères des gens. Dans ce genre de pratique, c'est pas vraiment joli à voir. Pareil pour l'inspecteur de police, là. Pardon, soyons prudents. Il est bien vrai qu'on voit une belle femme, un homme beau, avec qui on peut trouver les intérêts. On se retrouve en train de faire du n'importe quoi. Mais n'oubliez pas que le déo est mauvais. Le monde est devenu sale. On ne se base plus sur les apparences, surtout sur les trucs à distance, là, c'est pas bon. Même parfois, même tu peux voir une personne, tu côtoies une personne, même la propre personne que tu peux côtoyer peut te retrouver en train de te faire le chantage. Vous voyez, comme le sous-professeur, il a dit qu'il avait donné beaucoup d'argent à cette personne, mais ils ont toujours continué à faire le chantage. Il était obligé de céder. Vraiment, soyons sages. Soyons vraiment sages sur ce que nous faisons sur les réseaux, c'est là. On fait pas n'importe quoi avec n'importe qui. Parce que le Mogoutep, ça reste à vie. Hein. Ça reste à vie. Peu importe ce que tu vas dire, il y a toujours une personne qui va garder ça, qui va faire revenir ça sur la toile, montrer à tes enfants, à ta femme et tout. Ça détruit les familles, ça brise les foyers. Imaginez ton mari en train de faire ce genre de choses, je vous assure. Même si c'est moi, je ne suis pas sûre que je vais pardonner de sitôt. Parce que là, c'est salé. Ce n'est pas du tout bon. Pourquoi ne même pas être fidèle? Pourquoi ne pas être à une seule personne? Mais bon. On ne juge pas à chacun sa vie, mais ça fait quand même pitié. Bon, la famille, c'était juste mon point de vue par rapport à ces Mogoutep qui chauffent là. Merci d'avoir suivi ma vidéo. On se dit à très bientôt pour une nouvelle. Bisous.